Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande et bœuf. L'un d'eux se dit leur porte-parole et déclara : Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir, plutôt que de transgresser les lois de nos pères. Le deuxième frère lui dit : Au moment de rendre le dernier secours, tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la main aussitôt qu'on le lui ordonna et il présenta les mains avec intrépidité en déclarant avec noblesse : C'est du ciel que je tiens ce moment, mais à cause de ces lois, je l'ai prise et c'est par lui que j'espère. Le roi et sa structure frappaient sur la grandeur d'âme de ce jour-là. Ils comptaient pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis au même sens. Sur le point d'expirer, il parla ainsi : Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour l'âme. Parole du Seigneur.